Bonjour à tous et à toutes. Alors, les vidéos sont un peu plus espacées. Vous avez remarqué, c'est pas grave. Le principal, c'est toujours donner des informations. Cette fois-ci, c'est sur la prise Le Grand Green Up. Parce que vous êtes nombreux et nombreuses à vous intéresser à ce genre de prise, parce que c'est dédié à la voiture électrique et aux hybrides rechargeables, c'est le même principe. C'est-à-dire que ce sont des prises renforcées. Il y en a qui vont comparer à une prise classique qu'on va trouver chez Brico Dépôt, en marque Legrand ou une sous-marque chinoise, peu importe, et ils vont dire que c'est la même chose. L'apparence, c'est la même chose, mais à l'intérieur, ce n'est pas la même chose. Et de toute façon, à prendre en main, c'est du solide. C'est fait pour durer à l'extérieur. Même s'il n'y a pas d'abri, c'est étanche. Ça ne craint pas le soleil, ça ne craint pas le gel, la pluie, les orages, tout ça, c'est étanche. Il n'y a pas de problème. Même la prise enfoncée, la prise de votre voiture, le flexi-chargeur ou équivalent, suivant les marques. Vous branchez sur la prise qui a un gros orage dessus, ça ne rentre pas dans les fiches. Ça ne va pas vous court-circuiter la prise, pas du tout. Bon, c'était une petite mise au point. En plus, les contacts sont argentés. De l'argent, vous savez ce que c'est. Quand vous avez une médaille, une broche en argent, peu importe, une gourmette, c'est de l'argent, c'est de l'argent, c'est très conducteur. Ça ne s'oxyde pas. Ou... il faut du temps. Donc c'est plus résistant, c'est conçu pour bien transmettre l'énergie électrique, etc. J'en avais déjà parlé, mais j'en remets encore un peu au point. Et maintenant, je vous montre ce tableau que j'ai trouvé. C'est très simple, hein, et très compliqué en même temps, pour ceux qui ne connaissent pas. La prise Legrand, si vous êtes intéressé par cette prise, vous la trouverez autour de 60 euros. Ça varie, hein, à 2, 3, 4, 5 euros près. Bon, il suffit de chercher. Legrand, c'est Legrand. Et c'est IP66, donc c'est étanche, mais il ne faut pas que ce soit non plus, faut pas que ça baigne dans une baignoire. Hein, enfin, je veux dire, faut pas que... c'est pas étanche sous l'eau. Voilà. Fixation en saillie, c'est ce que j'ai monté chez moi. J'en suis très content. Je recharge ma voiture environ tous les deux jours, puisqu'à la belle saison, avec l'autonomie qui dépasse 300 km, j'ai pas besoin de recharger tous les jours. Je fais pas 300 km par jour. C'est ridicule. De penser qu'avec une voiture d'une aussi grande autonomie, on se sent obligé de faire une recharge tous les jours. Pas du tout. Non, non, non. On recharge une fois que la batterie, il reste quoi? 20%, 30% dedans, à l'intérieur. Si vous n'êtes pas sûr de pouvoir faire le trajet complet le lendemain, eh ben vous rechargez dans la nuit. C'est bon. Avec du 14 ampères, 13 ampères ou même 16 ampères pour les nouvelles Zoé, ça va très vite. Pendant la nuit, ça se recharge. Ça va se couper tout seul à 3h ou 4h du matin, peu importe où vous dormez de toute façon. La voiture sera prête. Alors, en saillie, pour un véhicule, vous avez les dimensions, et il y aura les références après, hein. Ou encastré, vous pouvez l'encastrer. Alors, ça peut s'encastrer sur une borne vendue par Legrand aussi. Je pense aux installations publiques, ou du moins dans les résidences. Et il y a beaucoup de copropriétés et de propriétaires qui s'intéressent à la question parce que justement, les locataires demandent à pouvoir recharger leur voiture électrique. Et même si c'est une hybride rechargeable, encore plus, il faut absolument recharger tous les jours ce genre de voiture. Bah, sinon, ça n'a aucun intérêt d'avoir une hybride rechargeable. Ça va consommer plus qu'une thermique classique. Tant que la batterie est chargée, les 50 km ne sont pas dépassés, vous êtes vraiment... c'est nickel. Mais si vous roulez avec ce genre de voiture... et que vous dépassez les 50 ou 60 km permis par la batterie, vous tournez sur le thermique, la rentabilité s'effondre. Et vu le prix de la voiture, à plus de 40 000 euros, bah oui, ça fait un peu bizarre, quoi. Hein. Alors celle-ci, elle est encastrable, voilà. Et ça peut être vendu avec une clé, une serrure. Voilà, c'est-à-dire que si vous n'avez pas la clé, bah, vous ne pouvez pas ouvrir la prise, tout simplement. Donc 3200 watts, 3 kW2 c'est 3200 watts pour ceux qui ne savent pas, hein. Ça va de 1,9 à 3,2 kW. Pour ma part, ça recharge entre 2,7 kW, 2700 watts et 2800 watts. Maximum que ça a été, c'est 2900 watts, je le vois sur 15 avec la prise OBD2 depuis chez moi. Tant qu'il y a une portée Bluetooth de quelques mètres, c'est bon, à travers ces murs. On a ici les schémas, mais peut-être que ça ne va pas vous intéresser. Vous avez, sur la Zoé, j'avais expliqué déjà que la Zoé avait la particularité de... parce que la prise Green Up a été conçue par Legrand et Renault, hein, au départ. Mais c'est multimarque, en fin de compte.
Mais la Zoé tire l'épingle de son jeu du fait qu'elle déverrouille, elle débride la prise elle-même. Il y a un détecteur, je l'ai montré sur une vidéo, ça fait un électroaimant qui va libérer la totalité de la puissance. Ça peut aller jusqu'à 16 ampères. Ah, ça fait quand même beaucoup là. Et en toute sécurité, sur d'autres voitures, ça va être limité à 9 ampères, 10 ampères. Et là, c'est là qu'il faut avoir une sorte de fil pilote qui est intégré dans le câble. Bon, c'est du rabâché ce que je dis, mais bon. Alors vous avez donc trois, avec la fiche qui rentre dedans, c'est deux prises en saillie et encastrables. Alors les accessoires, vous avez les tablettes, vous avez des tas de choses. En fin de compte, il n'y a pas grand-chose. Voilà, c'est une petite vidéo de rappel. Le câble électrique, c'est un câble que vous trouvez dans le commerce très facilement. C'est du 3x25, du RO2V. C'est-à-dire un câble étanche. Vous pouvez le gainer dans un tube comment ICTL, comment ça s'appelle, je ne sais même plus comment ça ressemble à un accordéon un peu, c'est gris. Pour le protéger, et surtout des rongeurs. Hein, faut toujours penser à ça. Les rongeurs qui ont tendance à faire les dégâts, ils sont attirés par un genre de caoutchouc. Sur les Volkswagen, par exemple, c'est la plaie. Je ne sais plus si ça l'est maintenant, mais il y a une époque, c'était la plaie. Quand quelqu'un avait une Golf à la campagne, il arrivait que dans la Golf, il y avait des durites qui étaient bouffées, rongées par les dents des rongeurs. Ça peut être un loir, ça peut être une fouine, ça peut être tout. Bah oui, hein, la nature, c'est la nature. Et le gars, il remonte dans la voiture, bof, il n'y a plus d'essence, ou alors, c'est le pire, c'est une durite de frein. Bref, il y a tant de trucs comme ça. C'est les caoutchoucs qui attirent, l'odeur, une matière qui attire les rongeurs. C'est étonnant que les constructeurs n'aient pas pensé à ça. Ça touche pas toutes les marques, heureusement. La Zoé n'est pas concernée. Malgré tout, il peut y avoir aussi sur les thermiques, bon, je fais une parenthèse là-dessus, en hiver, la chaleur du moteur attire aussi les rongeurs et les animaux plus gros, qui eux vont trouver un abri, un refuge dans le moteur parce qu'il est chaud. Et s'il fait froid dehors, c'est le seul endroit qui est chaud. Ah ben ils sont pas idiots, hein, ils sentent, hein, et ils vont rentrer dans le moteur, pas dans l'habitacle, hein, mais dans le moteur pour se mettre, pour se caler là-dedans. Moi, bah, je suis bien là-dedans, je mets mon petit matelas, tout. Puis il dort, il attend. Voilà. Et quand vous mettez en route, bah, il est toujours dedans, lui, hein. Ah, il s'est pas sauvé, hein. Alors ça arrive que des fois on en trouve un grillé. Oh, il est desséché dedans. Bah, oui. Voilà, c'est tout. Si vous avez des questions, des commentaires, hein, une petite vidéo sans prétention. Voilà, je vous conseille vivement cette prise malgré tout parce que j'ai utilisé une prise classique grise du commerce à 5,50 €, soi-disant 16 ampères. J'ai utilisé pendant 2 ans quand même avec la Zoé. Hein. Ça rechargeait à 8 ampères, le minimum qu'elle peut recharger la voiture. Là, c'est quasiment presque 2 fois plus long que la recharge que je fais actuellement. Donc 2 fois plus long sur une intensité qui est forte, avec un fil blanc. Le fil c'est même pas un fil électrique de fer à repasser. En plus, il faisait 5 mètres de long. Plus il y a de longueur dans le fil, plus il faut que la section du fil du cuivre soit gros. Parce que plus il y a de longueur, plus il y a de résistance à l'électricité. Et plus il y a de perte de courant au final. Donc on met un câble minimum 3 fois de 5 pour être sûr qu'il y a moins de déperdition possible. Et sur la prise GreenUp, ça va, c'est raisonnable. Mais sur une prise classique, vous aurez plus de pertes. Si vous rechargez pas souvent, ça ne se verra pas. Mais si vous rechargez comme moi, je recharge beaucoup parce que, malgré tout, pas tous les jours en ce moment, mais je roule beaucoup, vous le savez. Donc du coup, ça se ressent malgré tout. Moins avec la prise GreenUp, je le répète, mais avec une prise classique, on ressent. Ça ne se voit pas sur la facture, mais c'est facturé quand même. Il n'y a pas un petit chiffre qui indique, oh tiens, oh c'est quoi cette nouvelle ligne-là? Une facture, un chiffre dédié à la perte de courant pendant la recharge de la voiture électrique. Ça, c'est pas marqué sur la facture. C'est à vous à mettre l'installation adaptée à la recharge de votre voiture électrique. Et je vous conseille vivement, si vous le pouvez, de mettre une borne 7 kW, carrément, une borne de recharge qui se règle, elle. Vous pouvez régler l'intensité, 3,7 kW, 7 kW, etc. Si vous passez à 11 kW, il faut du triphasé chez vous. Donc vous n'allez pas le faire. Vous allez vous rester à 7 kW, ce qui est déjà excellent. À penser toujours pour l'avenir, parce que le modèle que vous avez actuellement en électrique, vous serez amené
à changer de voiture un jour, à prendre peut-être des voitures plus performantes. Je ne sais pas comment ça sera l'avenir. Bien sûr, l'autonomie va augmenter, mais ça ne va pas être non plus des 1 000 km. Ce n'est pas possible et ça servira à quoi? Si c'est pour y poser 15 jours pour recharger la voiture, ça ne sert à rien. Il vaut mieux tourner autour de 400-500 km, plus, bon, pourquoi pas, tant mieux, et recharger rapidement. Avec une 7 kW, on recharge rapidement. Et on recharge que ce que l'on utilise. Pourquoi mettre une borne plus puissante si c'est pour recharger que 50 km utilisés dans la journée? Ça sert à rien. Même on peut dire, peut-être en copropriété, oui, parce que vous allez être, ça va être différent au niveau de la gestion. Bon, c'est à vous de voir. Il y a toutes sortes de possibilités, hein. J'espère que j'ai bien tout montré. Oui, voilà. Je vous remercie et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.